Counter Strike 2 avec euh, Valve qui est euh, totalement euh, méconnaissable, voilà méconnaissable, entreprenant, communicatif, c'est les mots que je vais employer euh, parce que bah, d'habitude bah, ils font les morts et on les voit jamais, on n'entend rien, etc. Et ils ont tout simplement communiqué, voilà ils ont échangé parce qu'ils ont fait venir des, des, des joueurs, des acteurs de la scène professionnelle à Seattle à leur, dans leur siège pour justement développer Counter Strike. De ma Sponge, donc euh, le commentateur officiel, un des plus connus et ce genre d'ancien joueur effectuant plusieurs major qui nous dévoile en fait à un certain moment on était en train de jouer euh, des matchs sur counter strike 2 et il y avait plus de 30 personnes dans la room euh, à nous regarder passionné ce genre de choses donc euh, déjà on sait que l'équipe de valve est, euh, est ultra active et surtout euh, conséquente, on pensait qu'il n'y avait que 2-3 mecs, mais non c'est faux, et il nous révèle également que euh, les mecs they care, comment on dit, they don't care, ils s'en foutent, donc euh, non, là ils s'en foutent absolument pas euh, c'est des gens euh, très investis très passionnés les développeurs, et euh, que c'est totalement l'opposé de l'image qu'on avait d'eux, euh, alors après leur premier contact entre guillemets, donc c'est ce qui nous révèle euh, et ça, ça fait extrêmement plaisir maintenant, qui a accès à Counter-Strike 2 parce que moi je suis un peu déçu hein. moi je l'ai pas, euh, je pense que des milliers de gens des millions de gens l'ont pas, euh, je pense que c'est géographiquement parlant que, bah, ils sont allés euh, manger le chibre de tous les Nord-Américains. J'en ai parlé la semaine dernière avec euh, notamment euh, Shroud, en plus qui, qui disait les termes qui. Euh entre guillemets encensé counter strike et pas valorant et tout donc ça c'était plutôt euh, positif mais je comprends totalement que valve euh, veuille justement mettre en avant la scène nord-américaine parce que c'est un marché euh, c'est du business et c'est un marché euh, qui représente euh, beaucoup d'argent et une grande popularité euh, depuis euh, des années et donc forcément il faut reprendre ces parts de marché là pour des des, des gens qui ont toujours eu une passion pour cs donc moi euh, je respecte là dessus mais là c'est très très grave euh, parce que on a même Kali, euh, donc euh, cheater euh, notoire de la scène Compétitive qui a accès à Counter-Strike 2, donc je sais même pas si vous vous rendez compte. Moi bon, j'en ris de manière un peu nerveuse, mais euh, c'est aberrant quoi. Déjà que en Europe on est rien du tout, Alors en Europe on est rien du tout. Ils les ont donné que ONA et, et ce genre de trucs. Dites-vous que Simple, Ziwoo n'y avait pas accès. Ils ont dû tweeter en mode Wesh, donne-nous la clé, frérot. Et là, les développeurs leur ont donné des accès après, une fois que la communauté a fait du bruit. Pareil pour de grands créateurs de contenu euh, européens comme Warhol par exemple, qui euh, lui aussi qui est un énorme youtubeur et ce genre de choses, qui lui aussi a contribué à l'évolution constante de la scène compétitive et de Counter-Strike, en pointant du doigt des bugs, des améliorations à effectuer, ce genre de choses dont Valve a, a, a pris du, 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 du travail et donc a exploité euh, ses dires, lui-même a dû euh, communiquer là-dessus. Donc rendez-vous compte qu'en France, on représente encore moins que des Européens aussi gros. Et donc euh, c'est là, moi, où j'ai un, euh, un peu mal. Euh, mais donc, euh, rassurez-vous. Vous, Counter Strike va très très bien, Counter Strike 2 va très très bien et euh, quelques petits changements techniques pour vous montrer qu'il y a des grandes améliorations bien évidemment. Le côté serveur et le côté client n'existe plus euh, désormais. J'avais fait des tutos il y a quelques années. Je me souviens même plus de quel tuto où j'expliquais la différence entre le côté client et le côté serveur et de pourquoi vous ratez vos balles et que vous vous voyez votre viseur dessus, mais qu'il y avait un spread qui mettait la balle à côté. D'accord, il y avait les balles bleues, les balles rouges et donc la balle violette c'était celle qui était prise en compte et qui avait un taux entre guillemets euh, mais euh, de hasard euh, et ce genre de trucs, bah c'est finito sur Counter-Strike 2. Désormais, on est sur du euh, real Voilà, du real Du real. donc voilà. Quand vous êtes euh, sur le sur Lightbox, vous êtes sur la hitbox, Merci, au revoir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pareil, on a des améliorations au niveau des modèles, euh, de la gestion 3D, de l'environnement et ce genre de trucs. Et regardez encore une fois, euh, les cadavres par exemple s'empilent. Voilà ils sont euh, totalement euh, réalistes et ce genre de choses pareil pour euh, tous les tous les skins euh, voilà donc ça je sais pas parce que visuellement parlant, est-ce qu'on ne peut pas prendre une ligne en se mettant derrière euh, vous voyez, la tête qui va utiliser le cadavre et tout, donc compétitivement parlant, ça je sais pas, ça je sais pas. Bon, ça, je ne sais pas du tout. Mais si c'est vraiment que côté, euh, entre guillemets, euh, serveur, et que tout le monde voit cette chose-là, dans ce cas-là, je suis OK. On a également euh, un changement. Avec les smokes, les amis. Donc, ça, c'est une smoke terreau. Ça, c'est une smoke CT. Donc, même les petits détails visuels et tout, on voit qu'il y en a une qui est orange, il y en a une qui est bleue. Et qu'on peut changer la colorimétrie in-game. Et voici donc là, la, la, la smoke terreau, à quoi elle ressemble in-game. Euh, sur Counter Strike 2 et voici la smoke c'était donc on peut voir que le nuage est pas du tout de la même colorimétrie et donc peut-être euh, euh, les différencier et ce genre de choses peut-être que dans les dans bon à haut niveau non mais je pense plus pour les casus à très haut euh, quand vous allez vous familiariser avec le jeu quand il va y avoir euh, des CPL et ce genre de choses peut-être que vous allez différencier une smoke d'une autre et que ça peut vous donner une information sur le fait que bah, un ennemi peut être dans les parages, dans une one way, dans un truc, euh, et ce genre de choses. Et donc là, je pense que ça peut donner une information. Je l'avais dit euh, la semaine dernière que euh, le fil, et je donnais un petit peu mon ressenti, euh, donc à, allez regarder avec plus euh, d'attention si vous voulez cette vidéo. Mais euh, tous, les ont voilà, tous les sprays ont changé, tous les ont changé, tous les patterns de ont changé, et ont été complexifiés, euh, et ont été, ont été rendus plus élitistes. Alors, Attention, quand je dis changer, euh, on s'entend. Euh, voici la vidéo pour vous montrer AK, M4 et ce genre de choses. Et on peut voir que sur CSGO ou sur Counter-Strike 2, en fait, le spread est plus large, plus grand, plus, plus à la verticale et plus à l'horizontale aussi. Il y a un plus gros spread, il y a un plus gros dispersement des balles. À la M4S, pareil, c'est plus condensé. Là, un peu moins et ce genre de choses. Ça monte plus vite et ce genre de trucs. Surtout à l'AK, comme vous pouvez le voir. Hein. Regardez, on est déjà parti en couille ici, alors que là, on a une clear ligne verticale. Donc, il y a juste à baisser son entre guillemets sur la verticale, alors que là on peut voir qu'on fait des chevauchements entre la droite, la gauche et ce genre de truc. Donc, grosso modo, vous comprenez que sur CS2, le jeu a été rendu plus élitiste euh, au niveau du spray, au niveau des patterns, au niveau de l'AM, du shoot et ce genre de trucs. Mais par contre, il a été rendu beaucoup plus casualisé, beaucoup plus facile. Au niveau euh, donc de lightbox, du netcode, euh, le jeu touche mieux, le tick rate et ce genre de choses. Donc pour moi, ils ont voulu compenser en rendant plus technique, plus difficile l'IM, le shoot, mais en rendant plus facile tout ce qui y, y touche. Donc en fait, quand vous êtes dessus, vous êtes vraiment dessus. Par contre, il faut contrôler mieux et ce genre de choses. Donc pour moi, on peut voir également des nouvelles mécaniques, des anciennes nouvelles mécaniques qui pourraient revenir au goût du jour. C'est-à-dire euh, beaucoup plus viser la tête. voilà Beaucoup moins de spray contrôle, beaucoup moins de spray transfert et beaucoup plus de duels mécaniquement maîtrisés en visant euh, vraiment la, la tête et en mettant des headshots. Un peu à la 1.6, j'ai envie de dire, où il y avait euh, vraiment le jeu du shoot qui était récompensé, mais également des bons sprays qui étaient récompensés. Alors que sur CSGO, depuis 2014, je vous le rappelle, avec le changement majeur du gunplay, avec l'intégration euh, du tagging et de l'IM punch, eh ben... Tout le monde mettait des sprays à droite et à gauche. C'est fini. Tout le monde spray maintenant sur CSGO. Euh, même s'il y a un bon crosser placement, et qu'on vise la tête quand même, il y a des situations où tu vois que la tête, tu vas faire du tapping, tu vas viser la tête. Mais grosso modo, euh, 8 duels, 9 duels sur 10, c'est du spray. Voilà, peut-être qu'avec CS2, on va voir une plus grande polyvalence dans les duels. Moi, en tout cas, esthétiquement, c'est euh, ce que j'aurais aimé voir. Attention, on nous révèle également sur CS2 qu'il y a du wallbang. Partout, voilà, et qu'il n'y a que des deux, bien évidemment, qui est jouable à l'heure actuelle. Donc, on attend l'intégration des nouvelles maps, Inferno, New, overpass Pass et ce genre de choses. Mais on peut voir ça. Alors, au tout début de CSGO, sachez que ça, c'était possible. Voilà, 2012, 2013 et ce genre de choses, il y avait des wallbangs comme ça qui étaient possibles euh, sur des deux. Tout le spawn, c'était, on pouvait wall à travers et tout. Donc, peut-être encore 1.6 s'isait euh, le jeu avec l'intégration des wallbangs et ce genre de trucs. Alors, tactiquement, ça apporte quelque chose. Attention, il y a des trucs qui sont totalement nul à chier. Il n'y a jamais personne qui va se foutre ici pour aller wall pour aller wall à cet endroit-là c'est la caisse magique euh, sur D2. Alors moi j'appelle ça caisse magique euh, les frérots voilà. Euh, là peut-être ce wall peut être intéressant par contre vous voyez ce que je veux dire en, en CT en terreau euh, bon planté euh, after plant et ce genre de choses. À savoir si ça ça va être maintenu si ça va être euh, euh, patché ou pas ça peut évoluer. Mais dans tous les cas on peut voir que gunplay ça a changé les tick rates les serveurs le netcode lightbox euh, blablabla. le gunplay est un peu effectué euh, des changements également, mais les mécaniques de mouvement. Donc voilà, allez voir ma vidéo pour si vous voulez plus de détails. Dans tous les cas, voilà, Counter-Strike Global Offensive n'existera plus. On passera sur Counter-Strike 2. Voici à quoi ressemble Counter-Strike 2. Ce sera pas un nouveau jeu, ce sera une mise à jour, une, une, une refonte totale de Counter-Strike Global Offensive qui passera sur Counter-Strike 2. Donc Global Offensive n'existera plus. Et je continue de m'appeler Malek Sesgo. Enfin, Sachez-le. <music>